Mais viens, Choupinou. Oh mon Léon! Mais non, mon garçon, que tu fais là? Donc voilà les amis, après plusieurs mois à avoir resté sans faire de vidéo, je ne sais pas si mon micro marche, mais voilà, nous voilà bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature Autosuffisance. On est carrément le mois de novembre, ça fait plusieurs mois d'affilée que je n'ai pas posté de vidéo, je ne sais pas si celle-là pourra y aller. Mais voici une nouvelle fois les changements que j'ai apportés pour le bien-être de mon paon et de mes volailles. Donc souvenez-vous, après la volière, après la construction de la volière, je n'ose toujours pas laisser sortir notre paon. On a tellement peur qu'il s'échappe et qu'il va sur la route principale qui se situe juste là. De peur qu'il se fasse écraser, donc j'ai décidé de déplacer ma volière qui servait à la base pour les petites volailles et de la mettre derrière la volière de notre paon. J'ai créé une entrée dans le mur de la grange située à l'arrière de la volière de mon paon. Grâce à la récup, j'ai cette petite glissière là, ce semblant de clôture rigide qui me permet de fermer le carré le soir, de manière à ce qu'il ne s'échappe pas le matin et que le renard ne risque pas d'entrer. Et donc, voilà quoi, c'est vraiment la première sortie sécurisée après des longues années d'attente pour mon paon. Enfin, un petit carré d'herbe pour lui. Et puis par la suite, je viendrai assembler une seconde volière de cette taille-là. Donc la volière, elle fait à peu près 12 mètres carrés. J'en mettrai une seconde attenante à la première, ce qui fera 24 mètres carrés pour mon paon qui puisse sortir. Donc voilà les amis, voilà la famille. Le coq et la poule qui accompagnent mon paon vont sûrement pas traîner à sortir aussi, je l'espère. Mais en tout cas, j'avais déjà à peine percé un tout petit trou dans les aglos que déjà mon paon venait voir ce qui se passait. À croire qu'il avait compris qu'il allait enfin pouvoir sortir. Après, à chaque fois, je lui répète, je sais que ça paraît peut-être stupide, mais tout le temps je lui dis que bientôt il pourra sortir, bientôt il pourra sortir. Je lui explique ce que je vais faire. Et il faut croire qu'il avait dû le comprendre, puisque j'avais à peine, je vous dis, à peine fait un petit trou dans le premier aglo, que je voyais déjà la tête de Léon qui attendait derrière et me causait avec ses petits cris pour un peu me demander ce qui se passait, quoi. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir enfin pu réussir à ça. Et je pense que notre paon, lui aussi, va être enfin très très heureux, quoi. Un peu plus, du moins. Déjà de pouvoir repiquer de l'herbe, ça va lui faire beaucoup de bien. Ne pas alarmer, Léon!
Mon garçon, eh ben alors mon chéri. Et comme je vous l'avais dit, vous voyez déjà le dessus de ses plumes qui recommencent à pousser, hein, et elles sont bien orange et rose. Il y a Élise qui arrive là-bas. Élise aussi, hein, la pauvre, qui ne pouvait pas sortir. Et on voit clairement que le coq ne cesse de la dépouiller, quoi. Elle commence à être mal en point, cette Élise. Donc là, on peut vraiment s'apercevoir du magnifique plumage de Léon, sa nouvelle queue qui pousse, hein. Voilà les amis, voilà la famille.